Oh, yes. Yeah. C'est tellement gros que j'y crois même pas. Wouhou! Fish on. Oh! Je l'avais dit, ça devrait être bon. Marée montante. J'ai senti quelque chose qui avait pris mon appât, mais j'étais pas sûr. C'est gros ça. Wouhou! Un gros non. Une raie, hein? Ouais. C'est une raie. Une raie. Je pensais pas du tout que c'était une raie, mais bon. Et je crois que c'est une raie qui peut être. Je crois que la queue est très dangereuse. Je sais pas comment je vais décrocher ça. Et voilà, hein. Pega al piso eso. Rápido. Sí. Y pega al suelo, no se puede mover ahora. Te pega. Je me demande s'il veut la manger là-bas. Il y a des pêcheurs. Eh, hey, amigo. Hey. Amigo, mira aquí, mira aquí. Raya. Raya. Sí. ¿Dónde está? Aquí. Es grande. ¿Es grande? Es la cola es peligrosa, ¿no? Llévate el machete. Cuídate. ¿La quieres comer tú? Esta es la peligrosa, ¿eh? Lui, il sait de quoi il parle. ¿Y dónde está la parte bien peligrosa? ¡Ay, ese! Mira, déjame ver. ¡Wow! Esto es lo peligroso, ¿eh? Esto es lo peligroso que tiene eso. Wow. Regardez, c'est ça qu'il a dans la queue en fait. Il vient lui casser le pic dangereux qu'elle a dans la queue. Ça, c'est carrément. Ouais. C'est... Oh ah ah hey, hey, hey. C'est pousse. Non, c'est pousse à l'intro. Ah. Ah, ça, ça fait mal. Ah. Mmh. Comment va me faire foyer, man? Ah, ça, ça fait mal. Putain. Il y a du poison en plus là-dedans. Ah, ta saloperie. On dirait que c'est vivant ce truc-là, c'est en train de me paralyser la main. Ah. Même séparé de l'arrêt, le dard contient assez de venin pour créer des douleurs insupportables, des spasmes et des paralysies musculaires temporaires. Vous montrez que c'était dangereux. On dirait que c'est vivant ce truc, j'ai à peine poussé et on dirait qu'il y a un pic qui est vivant à l'intérieur qui se déploie en fait. Et qui est en train de me rentrer dans la main si je le retiens pas. Il y a vraiment des animaux qui sont... qui ont des instruments de défense assez coriaces. Je sais pas quoi faire. C'est pas un hameçon, ça. J'y crois même pas, qu'est-ce que je suis con. En fait, le truc, c'est que j'ai appuyé, mais je pensais... Moi, j'allais, c'est sûr que si c'était ma force à moi, j'aurais jamais traversé la peau. Mais en fait, il y a un truc qui s'est déployé dedans. C'est hallucinant. Y aprieto la mano para que te lo saque. Ah! 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 Dale, dale, dale. Ah! 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 Et non, va salir nunca! Non! Non, salir, comme je. Ah! Ah! Cuidate, cuidate! Hay un ligamento. Cuidate, cuidate, cuidate! Ah! Ah! Espérate, espérate, que no te. Tiene que inyectar uno. De inyección. ¿Inyección? Tiene que poner una inyección. Sí. Es malo esto, ¿eh? Sí. Está bien. Hay animal mucha malo, muchas gracias, amigo. Sí. Ya te va a pasar el dolor. Il y a un pic, c'est ça. Il n'y avait pas de pic. Ça s'est développé. J'hallucine pas. Regardez, il y a un pic vivant à l'intérieur. J'ai halluciné. La quieren comer? Todavía está aquí. ¿No la quieren comer? ¿No? Sí, ¿dónde está? Aquí. Je la sens plus. Apparemment, c'est très vénéneux. Ils me disent qu'il faudrait que je fasse une injection à l'hôpital. Hey, un poco rápido. Si? Un poco rápido. Rápido à l'hôpital? Grave. Si.
Muchas gracias. Pour ce qui est de la raie, elle sera mangée par les pêcheurs. Quant à Cyril, il est en route vers le village pour essayer d'y trouver un médecin qui puisse lui faire une injection. Mais c'est plus de 40 minutes de bateau et un autre 10 minutes de route. La douleur ne passe absolument pas, mais ne fait que croître. On dit que les effets du venin peuvent durer plus d'une journée et provoquer, au-delà d'une douleur intense sous forme de spasmes, des nausées et de la fièvre. Pas vraiment d'hôpital à Bruce Laguna. Cyril est venu à l'hôtel et Gloria, la propriétaire, s'improvise infirmière en attendant l'arrivée de la médecin du village. Terrible. Sí. Duele más que... Dicen que duele más que el parto, ¿cómo? Que el dolor de un parto. El dolor de un parto. No quiero ser una mujer. Après avoir appliqué une concoction de plantes locales censées faire passer la douleur, la médecin du village est enfin arrivée avec la fameuse injection dont on ne connaîtra jamais le contenu. Respire, respire. ¿Te gusta mi trasero? ¿Usted lo dice? Le lendemain matin, la vie suit son cours tranquille à Bruce Laguna. Les pêcheurs font le plein pour une longue journée de pêche et la vie s'anime dans la rue principale du village. Quelle que soit l'injection que Cyril a reçue, ça a l'air de lui avoir fait du bien. Te gusta la medicina, Stéphanie? No? No quieres ser doctora? A mí sí me gusta bastante la medicina. Sí, parece que sí. A mí me fascina la medicina. No? ¿Quieres ser pescadora? ¿Quieres ser una pescadora? Sí? Eso es mejor, ¿no? Con eso tenemos que ir apretando. Voy a lavar bien. À part une main un peu enflée et un peu de douleur, tout va bien. ¿Eso qué es? ¿Líquido? Es líquido que inyecta. ¿Sí? La raya. Hola, Timoteo. ¡Aló! ¿Y qué tal sigue la mano? ¿Está bien? Otra ¿listo raya. Para la pesca? Sí. Otra ¿aló? Raya. Ya le sacamos todo el veneno. Otra veneno. Raya. Même si s'en est bien tiré, pas sûr que Cyril ait envie d'une autre raie. En tout cas, nos pêcheurs sont repartis pour l'embouchure de la Bruce Laguna afin d'essayer une petite pêche à la pas, depuis le bateau cette fois-ci. On dirait bien que Cyril n'a pas gardé son pansement bien longtemps. Pour pêcher à la pas, l'idéal, c'est d'avoir des appâts frais. Ça tombe bien, les pêcheurs locaux viennent de rentrer de la pêche au filet et sont en train de préparer les poissons pour le salage. Voilà, mucho pescado, mucho tiburón pequeño. En la red? La red. Pêche au filet, petit requin. Plein de petits requins qui viennent de naître. C'est vraiment du gâchis. Du gâchis en effet. Chaque année, des dizaines de millions de requins sont tués, principalement pour leurs ailerons, destinés à la consommation sur les marchés asiatiques. Un petit requin marteau. En fait, je crois que la forme de la tête, c'est parce qu'en fait, il se sert de cette forme pour repérer plus facilement des champs électriques émis par des proies vivantes. En tout cas, avec des yeux placés comme ça, je ne sais pas comment ils font pour ne pas se prendre des trucs en pleine face. En tout cas, il y a plusieurs hypothèses sur la forme bizarre de la tête du requin marteau. Bizarre ce poisson. Timo découpe quelques morceaux de poisson qui serviront d'appât dans une zone bien profonde située en plein dans l'embouchure. Queue ou tête de poisson, ça a l'air de plaire aux frégates. Viene siempre el mero aquí. Siempre viene un. Mais apparemment, le mérou n'a pas envie de venir aujourd'hui. Vraiment pas envie. Après tout, Cyril n'a que très peu dormi la nuit dernière. Nos deux pêcheurs décident d'aller faire un peu de traîne en mer, de l'autre côté de l'embouchure de la lagune. Je peux vous dire, quand je commence à traîner à deux cannes comme ça, c'est vraiment que je suis désespéré. Mais pour sortir de la lagune, il faut passer au milieu des vagues. Et les vagues, ça fait pas peur à Timoteo. Il en a vu des bien plus grosses. Même s'il n'a pas eu le temps de sortir les gilets de sauvetage. Otro. All right. Vamos. On est passé. Tout va bien. Ça se coud toujours un peu dans les passes comme ça. Surtout
là, on a une marée en fait descendante dans la lagune qui vient en conflit avec les vagues de la mer des Caraïbes. Donc la marée sort, les vagues, et bam, ça fait pour ça que ça fait des, en général des belles vagues, c'est pour ça que ça secoue un peu. Reste à voir si la pêche est un peu meilleure à l'extérieur de la lagune. Pêche. Kingfish. Kingfish. Un petit tasard. Un petit tasard. Il est alors. Ce qui m'a mis, lui. Petit hasard. Pas très gros du tout. Hein. Sorry, buddy. Ça, il veut le garder pour le manger. Merci, amigo. Oh, ok. C'est bueno para comer, hein? Bueno. Con plátano. Con plátano? Si. Si? Anoche? Matin, le seul et unique taxi de Bruce Laguna est au rendez-vous. Notre mordu est en route pour l'île de Roatan, dans les Bay Islands. C'est le même vol d'une heure et demie qu'à l'aller, mais cette fois-ci en direction de la Ceiba. Puis, c'est un ferry jusqu'à Roatan. Il y a quelques chevaux là-dessous. C'est hallucinant. Alors, en tout cas, j'espère que la pêche va être meilleure à Roatan qu'elle l'a été à Laguna Bruce. C'était vraiment pas bon. Ah bon. On dirait c'est mal parti. Hein. Le temps, pas terrible. Le lendemain matin, le soleil est au rendez-vous sur l'île de Roatan. Et les pêcheurs aussi. Welcome aboard, early bird. Thanks a lot, man. Very nice. What's your name? Tex. Tex? Cyril, man. Nice to meet you. Nice to meet you too. Welcome to paradise. Alright. Tout devrait bien se passer aujourd'hui. Notre mordu est bien entouré. Lauren est natif de Roatan et guide de pêche depuis de nombreuses années. Quant à Tex le matelot, il a beau être plus jeune, la pêche, il connaît ça. Cool, c'est beau. Je vais vous dire, j'étais un peu inquiet hier soir en arrivant ici, mais je crois qu'on devrait être capable de prendre du poisson aujourd'hui. C'est beau. Bien parti. Bien que faisant partie du Honduras, Roatan est une île où l'on parle beaucoup anglais, du fait de son occupation par les Britanniques dès 1742. Aujourd'hui, l'île est un paradis pour les plongeurs, car elle est située sur la deuxième plus grande barrière de corail au monde. Les sites de plongée sont très proches des côtes. Mais nos pêcheurs, eux, ont mis le cap vers le large. We're on the continental shelf, over here, off about 17 miles off of Roatan. And this area holds a lot of bait and wahoo. They like to feed along this shelf over here. We went from about 8,000 feet of water coming across from Roatan to now we're in about 150 to 300 feet of water. Yeah, there's got to be some fish here. Quand on vient d'arriver sur la zone de traîne, en fait, ce qui se passe, c'est qu'il y a entre Roatan et ici, les petites îles dans le coin, il y a à peu près 8 à 9000 pieds de profondeur, donc très profond. Puis d'un coup, ça remonte à peu près 200 pieds, comme on voit sur l'éco-sondeur là-bas. Ouais, à peu près 200 pieds. Et tout le long, donc, c'est un mur, c'est un tombant, en fait, qui tombe très profond. Et donc, nous, on fait de la traîne le long de ce tombant pour essayer de repérer du poisson. Donc, on a mis quelques leurres et quelques appâts à l'eau pour essayer d'avoir une touche. Si on a une touche, ça veut dire qu'il y a du poisson, du prédateur dans le coin. Ça veut dire qu'il y a certainement de la bouffe. Donc, il y a des chances qu'il y ait plus de prédateurs qu'un seul dans le même endroit. Et donc, après, on pourra les pêcher au lancer. Plutôt qu'à la traîne. On n'a plus qu'à espérer que la pêche, la traîne en tout cas, soit plus productive qu'à Bruce Laguna. All right, my man. En tout cas, ça commence bien. No, you pump it, man. Barracuda. Still on it? Yeah, barracuda, maybe. Wildland. Barracuda. Yep. Barracuda. That was a quick release. Yeah. Little barracuda. Well, there's got to be some structure around for having barracuda around. Yeah. Yeah, well, une petite attaque de barracuda. C'est pas très gros, mais bon, il y a de l'action. Comme vous pouvez le voir, j'amène beaucoup de vêtements moi en voyage. C'est que des boîtes de leurre.
jigging, jigging, jigging. Oh man. Bird's nest. Let's do it on the hand line. Un nœud dans le moulinet, c'est pas ce qui va arrêter notre mordu. Hand line. Sorry about that, man. No problem, it happens. Oh. Maybe something's eating it. On fait un nœud dans le moulinet, donc je le ramène à la ligne à main. What is this? Shit, Jack, corner. I think it's a little tuny. You can lift him up and put him in when you get him tired. All there right. You go. Nice. Fish on. There's a beautiful skipjack, huh? Sorry, buddy, you're bleeding. Yeah. We'll use him for bait, though. Yeah, it's pretty good bait, huh? Very good for wahoo and bottom fishing and different stuff like that. Look at the beautiful colors on them, huh? Yeah, it's beautiful. I love those fish. Petit tuni à la ligne à main. Hand line. All right, man. Let's go for a big one now. Yeah. We got the bait. All right. Time for a wahoo. Yeah. Tex is making a special soup. That's your Caribbean recipe, man? Squid and tuna. You want to try some Caribbean soup? Yeah, definitely want to try that. You must have a lot of success at home when you bring a girl for a date, right? And you cook that for her? Yeah. She must be You must close the deal pretty quick, right? Yeah. You can try this spot here. Yeah. We got a little seamount under us. See if there's anybody home. 129 feet down. Right. C'est parti, le jig dans les abysses. Pendant que notre mordu pêche au jig, Tex monte des appâts sur de gros hameçons pour pêcher en dérive. Hey, sushi, hein? On sait qu'il allait faire beau aujourd'hui. Peut-être parler un peu trop vite. Welcome to the Caribbean, my friend. Thanks, man. Les conditions sont de pire en pire. Not a rain. On est en train de s'ancrer en fait pour essayer d'appâter, d'attirer du gros poisson, puis on va les pêcher le lancer ou à l'appât. Là, il faut vraiment un poisson pour me réchauffer. Là, ça travaille les muscles un peu, ça fait du bien. Ce que je peux vous dire, c'est très froid là. You're not cold, man? Freezing, right? Mais c'est pas Cyril qui se réchauffera en premier sur un poisson. C'est Lauren. Et c'est un triggerfish. Un ocean triggerfish. Nice fish. Good one. Yeah. Nice, man. Yeah. Au moins, le temps est un peu meilleur. Yep. They're gone. Je crois que c'est un petit barracuda. Bien d'avoir une tranche d'arc. Yeah, yeah. Cool. Yeah. Ah, j'ai un quid là-bas. Il est parti tout seul. Ok. En fait, donc, on a pas depuis tout à l'heure en balançant plein de petits morceaux de calmar. Puis le courant va là-bas, donc en fait, derrière, c'est sûr qu'il y a de l'odeur, ça a attiré des barracudas. Et moi, je m'amuse à les prendre à l'arrière du bateau au leurre. Another one. I keep chumming. Yeah, I keep chumming. The bigger ones are welcome. This is a very small one. That. Lui est vraiment petit. This guy. Not liking the dentist, man. Yeah, this dentist is brutal. I don't want to have you as a dentist. That's as close as you get to a kiss. Un tout petit barracuda. Yeah. Malheureusement, la petite accalmie n'aura pas duré. Woohoo! Yeah,
man. Something's gotta happen. En tout cas, ils espèrent fortement que quelque chose se passe. Sous des trompes d'eau, nos deux pêcheurs ont encore de la motivation pour continuer à pêcher un peu à la part. Excellent. J'aurais tout eu dans ce voyage. Pas de poisson, de la météo pourrie, de la pluie, du vent, tout ce qu'il faut. The problem right now is that the wind has changed direction. That means there could be a front coming in. It's not so much the problem with the rain. Yeah. It's the problem with the wind changing direction so fast. It could be a front. Cold front. What do you want to do? You want to head out? Yeah, I think we should probably wrap it up. And we're 17 miles out to sea. We should probably start getting closer to land. If we don't want to end up in Cuba. Mais malheureusement, c'est pas à Cuba qu'ils iront. C'est un retour au quai, la queue entre les jambes. Vive les Caraïbes! There you go. Une petite pieuvre. Walk over here a little bit. On va cracher son encre. Voilà. C'est de l'encre de pieuvre. En fait, ils balancent ça en arrière quand ils se font attaquer. Comme ça, ça fait un nuage dans l'eau. Et ils en profitent pour s'échapper. Je me mato, ouais. Maroto. Y el po